Bah, Gara m'a expliqué, tu sais, sur son live, elle a un système de traduction français-anglais qui est bien meilleur que celui de QSMP. Elle m'a expliqué, c'est un truc de PowerPoint, en fait. Oula! Quand je le mets sur le côté, c'est horrible. Attends. Du coup, je suis tout... Puis attends, du coup, c'est un fond vert. Attends. C'est horrible. Pas que je fasse ça maintenant, attends. Je suis malade. Ouais, je suis plus malade. Faudrait que j'arrive à... Attends. Je sais plus comment je baisse la luminosité de cet écran. Faut que je trouve. Merde, non. Non, j'ai éteint l'écran, c'est pas du tout ce que... Non! J'ai éteint tous les écrans. Je vois plus rien. C'était pas ce bouton-là qu'il fallait sur lequel il fallait que j'appuie. Allô? Ah, c'est horrible. Non, attends. Je fais de la merde. Voilà. Ok, ok. Et maintenant, si je fais ça. Ah, attends. Voilà, si je fais ça, et que ensuite je fais ça. Attends, hein. Attends, ça va être moins immonde dans quelques instants. Ok. Là, ça marche. Verdâtre, oui. En décomposition. Est-ce que ça marche? Non. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche! Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Oui. Entre ça et le traducteur in-game, on va plus voir le jeu. Vous êtes jamais content ou ça se passe comment? J'essaie de faire des efforts pour rendre le live le mieux possible. On me dit non, on va plus voir le truc. Ah, c'est bon, casse pas les couilles. Il comprend avec l'accent québécois? Mais je sais pas le faire l'accent québécois, je fais un accent qui est un peu bizarre. Ce que vous appelez ce que je fais l'accent québécois n'est pas vraiment un accent québécois. Quand je parle comme ça, c'est pas vraiment un accent québécois là. C'est juste un truc bizarre, oui, donc on comprend pas trop là. Ça, ce gros mot, pitié. Fils de pute? Ça ne marche pas. Fils de pute. Ah, il a pas envie celui-là. Connard. Merde. Putain. Putain de merde. Zut de flûte. Mais même zut. Il met un point pour le censurer. Même zut, il le censure. Saperlipopette. Sacre bleu. Blue sacre. Épelle une insulte. MERDE. PUTAIN. Bâtard. Bouffon. Trop littéral. Mais attends. Ta gueule, bouffon. Your bouffon mouth. C'est violent, en vrai. Ferme ta grosse gueule, sale bouffon, va. Shut your big mouth, you dirty buffoon. Go. Putain, le mec est trop chiant, en fait. Nique ta mère. C'est pas vraiment ça, hein. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que je pourrais limite garder ça. Peut-être, on verra plus tard. Là, tu vois, je mets sous-titres français, juste. Et là, c'est pas mal, en vrai.
pour sourds malentendants, tout ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Mais est-ce qu'il traduit les gros mots, là, du coup, en français ? Fils de pute, nique ta mère. T'as vu, il les a écrits, il est en mode... Non, non ! Mais pardon, il faut le dire très vite. Nique ta mère. Nique ta mère. Fils de pute. Putain de merde. C'est honteux ! Vas-y, bon, bah, tant pis, hein. Je suis trop deg. Tu sais, des sacres en québécois ? Ouais. Hostie de calice en tabarnacle. T'as vu, il le censure aussi. Hostie de calice en tabernacle. Je suis pas capable. Quoi, je suis pas capable, en fait, là. C'est impossible, en fait. C'est impossible de faire jurer cet hostie de traducteur, là. T'as vu, il l'a mis et hop, il le vient. C'est quoi le nom du logiciel ? C'est PowerPoint. C'est littéralement le logiciel PowerPoint. Comme les diapos, exactement. En fait, tu vas sur PowerPoint, tu mets fond vert, enfin, tu mets un fond vert. Tu mets sous-titres obligatoires à chaque instant. Et tu fais lancer la diaporama. Du coup, là, en fait, et là, du coup, j'ai un écran qui est capturé avec un fond vert, et du coup, c'est du chroma key, vous voyez pas le fond vert. Et franchement, les sous-titres de PowerPoint sont d'excellente qualité. Hein. Il y a une détection vocale sur PowerPoint, bah oui, la preuve, regarde. Hein.